Bonjour à tous, un beau temps incroyable, même si j'ai un bonnet et on est en départ, direction Ottawa, la capitale du Canada, pour notre week-end fêtant nos 10 ans de couple. On vous raconte un peu notre vie, mais c'est important parfois, c'est un plaisir. En plus, on est sous un soleil radieux, si je peux me permettre de vous montrer, et on espère qu'on aura, là c'est un pont en l'occurrence, mais on espère qu'on aura le même temps du côté d'Ottawa. C'est parti, les amoureux, direction Ottawa, et un mot pour la fin. Lucille. Allez tout droit et puis entrez sur l'autoroute. 3h30 de route. 3h30 de route. Allez, à tantôt, comme on dit ici. Tellement content. Rampin. Mon amour, goodbye. J'arrive plus à quoi, je suis triste à la vie. Bienvenue à Ottawa, capitale du Canada. On est super content d'être là et on va vous faire un petit peu vivre notre aventure avec Lucille, qui est derrière la caméra, donc elle peut pas vous parler forcément parce qu'elle est derrière. On fait une petite visite de notre chambre d'hôtel qu'on s'est pris, on se fait plaisir, hein. C'est les 10 ans, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas. C'est parti, suivez-moi, suivez-nous, en quelque sorte. Voilà. Voilà notre demeure, voilà une chambre d'hôtel, un petit peu classique, vous voyez, c'est une suite un petit peu, en quelque sorte. Vous avez tout le nécessaire pour faire à manger, gazinière, micro-ondes, frigo. On n'utilisera pas ça, on est là juste pour une nuit. Mais bon, hein, petit canapé, petite télé, au calme. Oui, j'ai dit au calme, ça n'existe pas. Petite table. Voilà, faut me suivre, hein, parce que moi je suis rapide, hein, je suis comme ça. Ordinateur, imprimante, oui, ils sont comme ça ici. Ils sont comme ça ici. Petite table de réunion, oui, excusez-moi. Désolé, la caméra balle est en stage, donc elle a du mal un petit peu à suivre. Voilà, petite table de réunion. On a un petit balcon aussi. Bon, ça c'est vraiment pour le détail. Avec évidemment la vue sur Ottawa. Regardez là notamment le quartier business qui est plutôt de ce côté-là. Le quartier d'Ottawa évidemment, avec un Starbucks et un McDo à proximité. Donc, on pense faire un repas un peu plus équilibré, bien sûr. Excusez-moi, je vous en prie, suivez-moi. Ça, c'est donc le salon principal, hein, si je puis me permettre. Et il y a des choses vraiment intéressantes. Petit corridor, un petit couloir, corridor ici, c'est à Québec. Petite salle de bain. Bah, écoutez, on a l'impression d'être une star ici. Hein, on a l'impression d'être... en direct, hein, comme si c'était une petite loge de star, en quelque sorte. Et ben, on est super content d'être là. Ici, ce sont les toilettes, un endroit très important pour moi, vous le savez. Et puis, petite baignoire sympathique qui vraiment est extrêmement intéressante. Ça, c'est pour la salle de bain. Et enfin, le cœur de la maison. Regardez le lit. Un lit simple, avec encore une petite télé. Une chambre sommaire, mais je pense extrêmement importante. En ce qui concerne le matelas, et je le teste simplement pour dormir, n'allez pas vous imaginer des choses. En ce qui concerne le matelas, il a l'air plutôt souple. Et ben, on vous donnera quelque chose en ce qui concerne le matelas. Excusez-moi, pardon. Oui, vous prendrez une bouteille de champagne à la deuxième, s'il vous plaît. Bienvenue à Ottawa. Le séjour commence. Bonjour madame. Un commentaire?
Restez dans le cadre, s'il vous plaît, je peux pas tout faire. Hein. Tu marches trop vite. Je marche trop vite. C'est la première fois qu'on me dit ça. Oh, regarde là, là. Et... Non, mais là-bas, il y avait le coucher du soleil. Ah ouais, j'ai loupé le coucher du soleil, excuse-moi. On le voit pas parce qu'en fait, y a, j'ai une... comment dire... L'autofocus est difficile par rapport au fait qu'il y a une zone un peu plus sombre. On fera pas de commentaires là-dessus. Eh, elle a essayé de sauter. Fin de journée, première journée à Ottawa, vraiment cool. On reparle du billard. On reviendra pas sur la partie de billard, j'ai perdu. J'ai mis la boule noire. Donc, comme Motus, on va dire que c'est pas bon signe quand on a la boule noire. Bah, j'ai mis deux fois la boule noire. J'ai perdu des parties par mes erreurs et non pas par celle de Lucille, mais c'est pas grave. C'était vraiment cool. Une bonne nuit. Nord-américaine, comme on dit, même si on fait très bien du billard en France, mais c'est vrai que c'est dans l'ambiance avec les grands écrans, un petit scotch, c'était vraiment cool. Demain, on va se réveiller, puis on va poursuivre notre vie un peu de touriste. On va aller visiter des musées et découvrir encore Ottawa. Un petit week-end à Ottawa, vraiment cool, en tout cas qui fait plaisir. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder la vidéo comme nous on en a en faisant la vidéo. Mais là, Lucille, elle n'a pas le time parce qu'elle est en train de prévoir le planning de demain. C'est elle qui gère tout. Moi, j'ai la main sur rien. Donc, c'est elle qui gère et elle le fait plutôt bien. Donc, voilà, on va se coucher et puis on se retrouve demain. Salut.